Bonjour à tous. J'espère que vous m'entendez cette fois-ci. Je crois que je parlais dans le vide tout à l'heure. Bienvenue pour ce webinaire. Pour les personnes qui m'entendent, c'est possible de me faire un petit message sur la conversation, comme ça je suis sûre que tout le monde m'entend bien et que tout le monde me voit. Impossible de parler. Oui, ça fait partie des réglages. Pour les questions, ça sera en fait sur la conversation, surtout. Je regarderai au fur et à mesure et puis on vous répondra le temps du webinaire. Et puis à la fin, on a prévu 5 minutes de questions. Voilà. Donc moi aussi, Amine. Et bonjour, bonjour Manon, bonjour tout le monde. Bonjour Amine. Eh bien, bienvenue pour ce webinaire. Donc je vais vous partager mon écran, la diapositive. Donc, le webinaire, pour rappel, va durer 30 minutes, voilà, jusqu'à 17 h. Sauf s'il y a des questions un petit peu plus. Voilà, s'il y a pas mal de questions, on prendra le temps d'y répondre avec Amine. Donc, je te laisse te présenter, Amine, en premier, si tu veux. Allez, donc moi c'est Amine Mokri, je suis responsable incubation et entrepreneuriat à l'Université de Montpellier. Donc je suis responsable aussi de l'incubateur de l'université qui s'appelle Initium, qui accompagne les porteurs de projets portant un projet de création de start-up. Historiquement, je faisais partie de l'équipe projet Muse qui a pu voilà, monter le BIM en premier, on va dire en 2020, qui était en phase test, et maintenant c'est piloté par l'ADIPA au sein de l'université, d'où ma présence aujourd'hui, c'est-à-dire que je suis en soutien avec Manon pour répondre à vos questions éventuellement, étant donné qu'il y a eu 4-5 éditions par le passé. Et pour ma part, je suis du coup Manon Ziaja, assistante Booster Innovation Montpellier et également assistante formation au sein de la DIPA, donc la Direction d'innovation et des partenariats au sein de l'UM. Voilà, on m'a dit que l'écran était noir, je ne sais pas si c'est toujours le cas. Non, non, c'était bon quand tu l'avais partagé en plein écran. D'accord, ok, je vous le mets. Hop. Excusez-moi, c'est la première fois que je fais une réunion via Teams. Voilà. Donc c'est bon pour tout le monde? Ouais. Mais là, ça apparaît pas vraiment le PPT. En fait, au départ, quand tu l'avais partagé, ça apparaissait. Ok, donc je vais le repartager, c'est embêtant. Et là? Là, c'est bon. Parfait. Bon, on va pouvoir commencer. Ok. Déjà, je m'excuse hein, pour le report du webinaire qui avait lieu il y a 2 semaines. Voilà, pour des raisons personnelles, j'ai dû le reporter. Donc, merci d'être venu quand même. Surtout que je sais que c'est les vacances pour certains. Donc, voilà, je vous remercie de votre participation. Et puis, on va vous parler du Booster Innovation Montpellier. Donc, c'est un dispositif de formation qui vise à la formation et à l'accompagnement des porteurs de projets innovants. Ce dispositif peut également être un outil financier, mais l'objectif principal, c'est la formation et l'accompagnement. Donc, durant ce webinaire, on va un petit peu voir ce qu'est le BIM. Donc, je vais vous le présenter, faire un petit peu un point sur son historique, ce qui est prévu pour cette année 2023. Je vais vous parler également des thématiques nourrir, protéger, soigner, sur lesquelles sont basées les sessions BIM. On va parler du calendrier, donc il y a quelques nouveautés pour cette année. Et on va également traiter, je vais un petit peu vous expliquer comment on fait pour s'inscrire, qui est visé, quel public est visé pour le BIM. On va également faire un point sur tout ce qui est accord de confidentialité. Et puis, on va parler de comment concrètement se déroule le BIM, donc quel est le programme envisagé pour cette année et comment est financé un projet s'il y a financement et comment se déroule également l'accompagnement post-BIM. Alors, donc, tout d'abord, pour contextualiser, le booster Innovation Montpellier, c'est une action qui est mobilisée
et pérennisé dans le cadre du programme d'excellence de l'ICIT, donc le PUI. ICIT, ça veut dire Initiative Sciences, Innovation, Territoire et Économie. C'est l'ancien MUSE, en fait. Donc maintenant, on parle surtout du PUI, on parle plus du MUSE ICIT. Et l'objectif de ce programme, c'est de valoriser au niveau mondial les universités participantes à ce programme. Donc, il y a 16 établissements membres que vous pouvez voir à la droite qui ont pour ambition de faire l'Université de Montpellier une université internationalement reconnue dans trois domaines en particulier, l'agriculture, l'environnement et la santé. De ces trois domaines découlent trois enjeux sociétaux à forte corrélation, donc nourrir, protéger, soigner, ces fameuses thématiques que l'on vous détaillera tout à l'heure. Donc l'objectif a pour objectif tout d'abord de former, comme j'ai pu vous dire, et d'accompagner les porteurs de projets innovants. En fait, il a pour but d'accélérer la mise en place d'un plan d'action pour chaque projet qui sera soumis. Et ensuite, de déterminer les voies de valorisation possibles. Donc, si on part sur un transfert de technologie, une collaboration ou une création de start-up. Et il a aussi comme visée d'accompagner les porteurs de projets et les orienter vers des établissements ou d'autres acteurs de l'écosystème d'innovation. Et comme j'ai pu vous dire tout à l'heure, il peut être aussi un outil financier. Donc il peut aider financièrement au lancement du projet, mais ça c'est pour les lauréats qui seront désignés lors de chaque session. Un petit historique du BIM depuis 2020. Il y a 5 BIM qui ont été mises en place. Je crois que Amine a été sur les 5 BIM du coup. Voilà. Le premier BIM, c'était un BIM transversal, si je ne dis pas de bêtises. Il n'y avait pas forcément une problématique. On n'était pas encore sur les problématiques soigner, protéger, nourrir. Et lors de ce premier BIM, on a eu 11 participants, 11 porteurs de 11 projets présentés. Par la suite, il y a eu un BIM nourrir qui a vu 4 projets. Et puis un BIM protéger qui a pu présenter 5 projets. Au total, 37 projets présentés, 10 lauréats, donc ça fait à peu près 2 lauréats par session, et puis 10 lauréats. Donc cette année, on repart encore sur un calendrier qui portera sur la thématique soigner, protéger, nourrir. Et en complément, une thématique transversale dont je vous parlerai tout à l'heure. Donc, ces fameuses thématiques, trois thématiques sont au programme, donc comme j'ai pu vous le dire, protéger, soigner, nourrir. Chacune de ces thématiques vise des domaines en particulier. Donc, il y a certaines thématiques qui regroupent plusieurs domaines, donc elles sont toutes liées au final. Mais par exemple, la thématique protégée, elle est en lien surtout avec le domaine de l'écologie, de l'environnement, de la biodiversité. Elle est également en lien avec les MIPS, donc mathématiques, informatiques, physique et systèmes. La thématique nourrir, elle parle pour elle-même, hein, ça comprend le domaine de l'agriculture, de l'alimentation, mais également du domaine de la chimie. Et enfin, la thématique soigner, elle comprend la biologie, la santé, la chimie. Et également les domaines, pardon. MIPS, donc mathématiques, informatique, physique et système. Comme j'ai pu vous le dire, cette année, on a une petite nouveauté, donc on va mettre en place une session transversale. Donc on reprend les trois thématiques et cette session aura pour visée les doctorants, voilà, en particulier. Donc on voudra, le but c'est de cibler en fait l'accompagnement pour les porteurs, pour les doctorants en fait. Voilà. Et donc, le calendrier pour cette année se divise en 4 sessions, donc sous un nouveau format. On a décidé de partir sur 3 jours. Les anciennes,
Les anciennes sessions étaient sur 2 jours, donc 2 journées complètes. Là, on a décidé de faire une journée complète et 2 demi-journées, donc généralement 2 matinées. On a décidé de faire ça pour que les porteurs de projet aient le temps d'assimiler les conseils qu'ils auront reçus durant la première journée et pour qu'ils aient le temps aussi de travailler sur leur temps libre s'ils le souhaitent, de retravailler un petit peu leur pitch et leur présentation. Donc, le prochain BIM, c'est bientôt, hein, c'est début avril, c'est sur la thématique protégée. Donc, ça va se dérouler le 4, 5 et 6 avril. La date limite d'inscription, c'est le 13 mars. Alors, attention, j'ai mis 13 mars, mais évidemment, si quelqu'un souhaite s'inscrire le 17 mars, il n'y a pas de souci, hein. C'est vraiment pour que moi, je puisse m'organiser en amont, pour que je puisse un petit peu gérer les candidatures petit à petit, puis aussi au niveau de l'aspect logistique. Voilà. Donc, il y a un formulaire d'inscription pour chaque session. On verra tout à l'heure un petit peu ce que ça comprend. Donc ensuite, on a le BIM Nourrir, donc fin mai, 23, 24 et 25 mai. La date limite d'inscription, c'est le 2 mai. On a le BIM Soigner, fin juin. Donc, si je ne dis pas de bêtises, Amine, c'est le même calendrier que l'année dernière. Oui, À peu complètement. près pour le BIM Soigner, voilà. Donc la date limite d'inscription, ça sera le 30 mai. Et enfin, le BIM Doctorant, donc, qui reprend les trois thématiques, qui sera à la rentrée 2023. Donc, la date limite d'inscription, c'est le 30 août. Je vais communiquer d'ici le début du mois de mars les dates précises, voilà. Mais ça sera pour la rentrée. Donc, le formulaire d'inscription, en fait, vous avez 7 questions. Donc, on va voir un petit peu ensemble ce que ça comprend. Donc, tout d'abord, vous devez donner vos coordonnées, hein, et les coordonnées de vos équipiers si vous souhaitez venir accompagner de personnel de votre équipe. Ensuite, vous devez indiquer la structure et l'unité de recherche d'origine, si possible, le nom du directeur d'unité. Vous avez en troisième question, vous devez décrire votre projet. Donc, maximum 10 lignes. Enfin, vous devez faire ça de manière assez synthétique. Vous devez indiquer le nom de votre projet, l'historique, les objectifs, ce qu'il comprend. Et en quatrième question, vous devez indiquer le stade d'avancement du projet. Donc, par exemple, quelles actions ont déjà été mises en place et qu'est-ce qui est prévu par la suite dans le cadre de votre projet? Là, c'est important de faire un point sur ce type de questions. Parce que ça va être la base d'échange et du travail lors des sessions BIM, en fait. Cette question-là va être relevée notamment par les coachs. Donc, c'est bien aussi que vous fassiez le point lors de ce formulaire, un petit peu sur ce qui a été mis en place et ce que vous comptez faire par la suite dans le cadre de votre projet. Pareil pour la cinquième question, on vous demande si vous avez une idée pour valoriser vos travaux de recherche. Donc, si vous envisagez par exemple un partenariat à travers une collaboration de recherche, si vous envisagez un transfert de technologie ou encore la création d'une entreprise, ce genre de questions. Et puis, sixième question, les besoins de votre projet. Pareil, cette question-là, elle est importante. Ça sera la base d'échange, notamment avec les coachs. C'est important que vous fassiez un point dessus parce que vous devez un petit peu définir. Quels sont les besoins à venir pour développer votre projet? Ça peut être des besoins financiers, des besoins matériels, ce genre de choses. Et enfin, comme vous devez indiquer un peu vos attentes du BIM. Voilà. En tout cas, si jamais vous avez des questions par rapport à ce formulaire d'inscription, n'hésitez pas à nous contacter pour qu'on vous aide à le remplir. Voilà, n'hésitez vraiment pas. C'est important de bien remplir ce formulaire parce que ça vous permet à vous-même aussi de faire le point un petit peu sur votre projet. Alors, quel public viser pour participer qui peut participer au BIM? Donc, comme je vous ai dit tout à l'heure, il faut être porteur de projet ou d'idées sur le périmètre du PUI, donc du programme d'excellence ICIT. On peut être agent des services, chercheur, pardon, personnel UM, hospitalier. On peut être également étudiant. Voilà, donc les étudiants sont admis, sont bienvenus. Et doctorant, voilà, pour le BIM spécial doctorant notamment.
On peut venir accompagner avec un ou une ou plusieurs personnes de notre équipe. Il faut que notre stade d'avancement du projet soit en amont. Donc vraiment, voilà, enfin, l'objectif, c'est vraiment d'accompagner des projets qui sont encore, qui viennent de naître, si je puis dire, quoi, qui sont encore à dessiner. Et puis aussi, il faut participer aux 3 jours de la session BIM ainsi qu'au concours pitch. Donc, c'est vraiment le principe du BIM. Après, évidemment, si vous rencontrez quelques problématiques, contactez-nous, on verra ce qu'on peut faire. Mais le principe, c'est quand même d'assister à ces 3 jours et de pitcher. Voilà. Alors, la session BIM, chaque session BIM est limitée à 15 porteurs de projet, pour information. Durant le BIM, il y aura des intervenants, donc les jurys, les coachs, qui vont avoir accès à vos informations. À savoir que ces personnes-là travaillent déjà dans le monde de la recherche et sont déjà sensibilisées à la confidentialité de la propriété intellectuelle. Donc, ils savent qu'il ne faut pas divulguer, qu'il ne faut pas diffuser, ce n'est pas dans leur intérêt de faire ce genre de choses, parce que c'est leur travail. Et de toute façon, chaque participant, donc même les porteurs de projet, seront amenés à signer un accord de confidentialité qu'ils devront m'envoyer avant chaque session BIM. Voilà, donc il y a pour obligation vraiment de conserver les informations secrètes, qu'il ne faut pas filmer, il ne faut pas diffuser suite au BIM. Voilà, un petit point là-dessus, si ça peut rassurer certains porteurs de projet. Donc concrètement, comment ça se passe le BIM? Donc, comme j'ai pu vous dire tout à l'heure, c'est sur 3 jours, 3 jours de formation, une journée complète, 2 demi-journées. Il y a des ateliers, des coachings, du coaching. Et puis là, comme vous pouvez voir, on a un programme un peu type. Ce n'est pas le programme finalisé. Le programme finalisé du prochain BIM, je vais l'avoir début mars. Je le diffuserai également. Là, on peut voir par exemple durant la première journée, donc généralement c'est une journée complète. On commence la journée par un icebreaker, donc les intervenants, les porteurs de projet se présentent. On fait un tour de table. Ensuite, on part sur un atelier porteur et posture. Donc c'est un atelier qui permet aux porteurs de projet de se projeter, d'imaginer la réussite de son projet. Donc on lui donne des conseils, des méthodos pour se positionner au niveau de son stade d'avancement. Vient ensuite la masterclass sur les voies de valorisation, dont Amine fait partie. Si tu peux un petit peu faire le point dessus. Ouais, en fait, effectivement, comme tu l'as dit au départ, Ouais. le BIM est destiné à des porteurs de projets qui visent plusieurs voies ou pas du tout, hein. L'idée, c'est de vous sensibiliser sur l'existence des plusieurs voies de valorisation, que ce soit un pur article scientifique, un transfert vers un partenaire existant ou bien la création d'une nouvelle entité pour valoriser vous-même, entre guillemets, les résultats. Et l'idée durant cette masterclass, c'est de vous présenter justement ce panorama-là et vous sensibiliser là-dessus. Voilà. Suite à cette intervention, on poursuivra également sur un déjeuner auquel vous serez convié. Vous serez invité si vous y participez. Et puis, on repartira sur un atelier structuration du projet qui, là, cette fois-ci, visera à travailler le plan d'action du projet, le plan budgétaire, définir l'utilité du projet et voir un petit peu le positionnement du projet au niveau du marché. Vient ensuite des témoignages de personnes qui ont monté des projets et qui sont passées par différentes voies de valorisation. Donc, ils vont vous témoigner un petit peu leur parcours et leur projet également. Et puis, on fait aussi un entraînement pitch parce que c'est l'objectif final, rappelons-le, du BIM. Le jour 2, on passe sur un temps de travail. Donc, on revoit un petit peu. La présentation par rapport aux conseils qui ont été donnés la veille. On passe à la partie coaching. Donc, il y a des experts qui interviennent sur 4 domaines différents. Donc, sur le plan d'action, les voies de valorisation existantes, les aspects réglementaires et les financements.
En fait, l'objectif du coaching, c'est vraiment de relever des questions du type est-ce que je veux faire une thèse ou une collab? Comment je peux protéger ma propriété intellectuelle? Quel financement je peux envisager par la suite? Quel plan de financement aussi je peux prévoir? Quel est mon projet marketing? Ou encore quel positionnement j'ai dans le marché et face à la concurrence. Voilà, c'est ce genre de questions qui sont soulevées et sur lesquelles vous allez travailler avec les coachs. Voilà, donc on vous conseille là-dessus. Et puis ensuite, on a également toujours un déjeuner le midi. Et le dernier jour, c'est un jour consacré au concours pitch. Donc il y a un temps de préparation et ensuite, on pitch devant un jury. Le concours pitch, en fait, c'est durant un temps imparti. Le porteur de projet va devoir exposer son projet de manière à le valoriser et aussi de manière à ce qu'il soit compris par le jury. C'est ça l'objectif, c'est voilà, de le valoriser et de faire comprendre un peu en quoi consiste notre projet. Je vais vous expliquer un petit peu plus sur quoi vous serez évalué par la suite et un petit peu faire le point sur le financement. Donc, la partie financement. Pour cette année, on a une enveloppe de 200 000 euros. Donc ça fait environ 50 000 euros par BIM. Comment ça se passe concrètement? Donc, vous êtes évalué durant votre pitch sur trois critères d'évaluation. Donc, le premier critère, ça va être la structuration du projet scientifique, donc l'historique du projet, le plan d'action qui a été présenté, le positionnement du projet dans le marché. Est-ce que vous avez fait un benchmark? Voilà, le modèle économique qui a été présenté et le projet marketing également. Ensuite, vous allez être évalué également sur la solution apportée sur le marché. Donc, c'est vraiment l'aspect innovant qui doit être mis en avant. Donc, en quoi mon projet est une plus-value sur le marché? C'est vraiment ce genre de question qui va être relevée. Et pour finir, on va également vous évaluer sur l'expression des besoins, donc le plan d'action. Les besoins économiques, les besoins financiers. Et j'ai vu qu'il y avait une question de Louis, notamment sur les besoins humains. Donc, Amine, j'imagine oui, que ce genre de questions. Oui, en fait, Voilà. dans l'éligibilité des dépenses, effectivement, la RH, c'est aussi compris, quoi. Ouais, donc, il est important, même dans le formulaire d'inscription, de noter ce genre de choses. À savoir que à partir de cette évaluation, le jury définit si tel porteur de projet sera lauréat. Si c'est le cas, on ne sait pas encore à ce stade-là de combien on va financer le projet et sur quel délai le financement va avoir lieu. Cette décision en fait se fera après avoir défini le mode d'accompagnement. Donc le délai dépend également le délai de financement, il dépend également du calendrier de déblocage du fonds de PV. Donc, par exemple, si on décide qu'un projet va être financé à, je dis au hasard, 20 000 euros, eh bien, ce ne sera pas forcément 20 000 euros d'un coup, ce sera 20 000 euros peut-être dispersés sur un an et sur différentes actions. Amine, si tu as d'autres. Oui, en fait, ce que veut dire Manon, c'est que si vous avez plusieurs dépenses qui vont être exposées, que c'est validé par le jury, etc., en fait, on va vous financer en fonction des dépenses réalisées. C'est-à-dire que si vous achetez, par exemple, un équipement plutôt le mois de mai, ben, vous aurez le montant pour l'équipement le mois de mai, et puis par la suite pour les consommables, etc., etc. Donc, pour répondre aussi à Louis sur. Qu'est-ce que cela peut financer? En fait, c'est toutes les dépenses, donc RH, fonctionnement, donc tout ce qui est équipement, fonctionnement, personnel. Voilà. Donc c'est consommable, équipement, ingénieur, stage. Voilà, donc ça dépend vraiment des dépenses. Mais comme ça doit être lié à un laboratoire, c'est souvent les dépenses, on va dire, ANR. Voilà. Et au niveau du processus, c'est qu'une fois que bah, on a défini, une fois que le jury a validé ou pas si tel projet sera financé, le financement, il est validé auprès d'une commission, donc le COMEX, et il est notifié s'il est validé auprès du COMEX.
point de vigilance là-dessus. Une fois que le financement est notifié, on a un délai de 3 ans pour réceptionner le financement. Donc, si le financement n'est pas réceptionné sur 3 ans, il est perdu. Voilà. Mais évidemment, vous serez notifié également. Enfin, si vous êtes financé, vous serez informé assez rapidement de ce genre de choses. Et peut-être une précision maintenant, Oui. désolé, sur le Non, vas-y. financement. Ce qui est important à préciser, c'est que l'argent ne sera pas versé au porteur. C'est-à-dire que ce n'est pas le porteur qui réalisera les dépenses lui-même. Ça sera effectivement soit l'université, soit la tutelle, en tout cas du porteur, qui réalisera les dépenses au profit du projet. Sur la partie accompagnement. Donc pour les personnes, pour tous les participants finalement du BIM, chronologiquement parlant, vous aurez environ 1 semaine après le BIM une synthèse d'évaluation du jury que je vous enverrai par mail, donc, sur lequel vous verrez les recommandations du jury, qui vous aura les points un petit peu à retravailler et les points positifs de votre présentation. Je vous enverrai également une demande de retour, un formulaire de retour d'expérience. Donc, vous nous direz si le BIM, en quoi le BIM vous a servi, s'il y a des choses à améliorer. Ça, pour nous, c'est intéressant, notamment pour retravailler dessus par la suite. Je peux également vous fournir une attestation de participation pour les personnes qui souhaitent justifier auprès de leur employeur leur absence. Et en termes de procédure d'accompagnement, le jury délibère en fait sur le mandat d'accompagnement. Donc selon la typologie du projet. Donc si c'est plutôt critère start-up ou entrepreneuriat, on visera plutôt l'incubation. Et si c'est un et pour les autres types de projets, on visera plutôt un référent, on verra plutôt un accompagnement fait par les services de valorisation de partenariat, donc de l'UM ou des autres partenaires. Si tu as d'autres précisions là-dessus, Amine. Donc voilà, comme vous pouvez le constater, vous aurez un référent qui vous sera désigné. Donc, je vous enverrai un mail en vous disant bah, tel référent vous accompagnera. Est-ce que vous souhaitez que l'on se rencontre, donc le référent, le coordinateur qui est moi-même, afin qu'on puisse faire un point post-BIM, donc voir si les recommandations du jury ont bien été comprises, si vous avez commencé à prendre en compte les recommandations, si vous avez commencé à un petit peu démarcher certaines. Si vous avez. Pardon, excusez-moi. Si vous avez pris en compte les recommandations du jury. Si vous êtes lauréat, est-ce que combien vous souhaitez être, à combien, à quelle hauteur vous souhaitez être financé? Et puis on commence aussi à envisager la suite, vers quel outil financier ou quel outil de valorisation on peut vous orienter par la suite. Voilà. Donc le BIM, en fait, c'est un événement de formation de 3 jours, mais c'est surtout un accompagnement sur la durée. Donc, comme vous pouvez le voir, par la suite, voilà, il y aura le BIM, mais vous serez suivi. Moi, je ferai le lien entre votre référent accompagnateur et également avec les commissions. Donc, si vous êtes financé, c'est moi qui remonterai vos besoins de financement, notamment. Voilà. Donc, tout le monde est accompagné. Lauréat ou non lauréat. Je ne sais pas si vous avez d'autres questions, parce que nous, à ce niveau-là, c'est bon sur le point accompagnement. Si tout a été clair, à la fin, j'étais un petit peu fatiguée, j'ai un peu bafouillé. Non, non, mais peut-être que pour ajouter quelques mots, Ouais. on n'a pas, enfin, on voit les prénoms et les noms, mais on ne sait pas exactement sur quel stade de maturité vous êtes, etc. Il y a Laurence Berry qui lève la main. Laurence, est-ce que tu pourrais écrire un message dans le chat, comme ça on voit, parce que je ne pense pas que tu peux prendre la parole. Mais ce que je voulais dire, c'est que
Le BIM, il est destiné donc aux étudiants, aux porteurs de projets qui sont issus de la recherche, au personnel administratif, etc. Mais ce qui est important aussi de préciser, c'est que votre projet soit de la recherche fondamentale ou appliquée, n'hésitez pas à venir. C'est-à-dire que ne vous dites pas que on est sur du fondamental, on ne réfléchit pas à la valorisation pour l'instant. Justement, l'idée, c'est que pendant ces jours-là, vous allez être sensibilisé, vous allez être projeté sur cet élément-là, et ça va vous permettre éventuellement, ou pourquoi pas, d'ajuster les différents éléments qui vont constituer la montée en échelle plus tard ou pas. Mais l'idée, c'est voilà, c'est de venir aussi vous acculturer sur tous les éléments liés à la valorisation, quoi. Ah, t'as réussi à monter Laurence sur l'estrade pour qu'elle puisse prendre la parole? Ah. Non. Ah, c'est bon, elle a écrit un Elle a oui, message. oui. Oui, en fait, je me rappelle ton projet, Laurence. Tu étais effectivement au Booster Innovation Soignée de juin dernier. Oui, en fait, j'y étais. On l'avait demandé dans le pitch à la fin d'expliciter le besoin, qu'il soit financier ou propre. Si je me rappelle bien, par rapport à ton projet, il y avait la question de collaboration avec un partenaire déjà existant, et il fallait, on va dire, éclaircir ce sujet-là. En termes de financement pour la dernière session, donc il y a eu, suite à la délibération du jury, des projets qui ont été sélectionnés et qui ont été financés. Et ce qui est important aussi de préciser, c'est que les besoins que vous allez exposer, il faut garder en tête que le financement BIM a pour objet de faire effet levier pour aller chercher d'autres financements. Donc on a les projets qui ont été financés et qui ont été exposés par Manon, ils ont tous eu un effet levier par la suite et ils ont débloqué d'autres financements beaucoup plus importants. Donc vraiment le caractère financement, et c'est pour ça que Manon insiste sur l'accompagnement et pas sur le financement, c'est que le financement, c'est vraiment un petit coup de pouce pour aller chercher des financements beaucoup plus importants derrière, quoi. Est-ce qu'on peut donner un exemple d'accompagnement qui a été Oui, fait alors il y en a plusieurs. Je vais peut-être naturellement, enfin, je vais prendre deux exemples, parce que la déformation professionnelle peut-être va me faire flécher sur la création de start-up, mais en octobre 2020, par exemple, il y a eu donc Habib Belaïd, qui est un chercheur postdoc de l'IUM, qui a participé. Et en fait, suite au BIM, donc il a pu être soutenu grâce à une petite enveloppe du BIM. Ça lui a permis de faire effet levier par la suite à travers le pôle chimie. Il visait la création de start-up. Donc moi, je l'ai accompagné, j'étais le référent accompagnant, on va dire, depuis sa participation. Et depuis, il a obtenu d'autres financements. Il a obtenu 30 000 euros de la BPI. Et là, récemment, il a réalisé la maturation avec la SAT pour obtenir 800 000 euros pour maturer la technologie. Il y en a d'autres où, voilà, ça permet, en fait, par exemple, sur le juin dernier, il y a eu un projet qui a été, on va dire, qui avait fait bonne impression de la part du jury. Et on n'a pas financé tout de suite parce qu'on cherchait l'effet levier derrière. Et quand il a été déterminé, bah, en fait, on a donné un petit coup de pouce et il a pu obtenir des financements plus importants de la région, par exemple. Et je reviens sur ce que dit Laurence Berry pour les futurs participants. Effectivement, là, c'était cette année, on est conscience hein, un peu de ce genre de choses. Le fait que les participants n'étaient pas forcément au courant qu'il y a possibilité d'un financement. Mais en fait, l'objectif, c'était surtout de miser sur l'accompagnement et que les participants viennent pour être accompagné et formé et pas comme pour être financé premièrement parce que bon les financements ne sont pas forcément conséquents enfin c'est quand même 50 000 euros mais c'est pas vous aurez pas forcément 50 000 euros pour vous tout seul ça va être dispatché autrement et voilà cette année on a décidé de le dire comme ça les personnes qui ont vraiment des besoins financiers peuvent
un petit peu mieux travailler leur plan d'action et notamment les mettre en avant les besoins financiers qui risquent de rencontrer. Voilà. Que vous faites bien de le dire. L'accompagnement était très bien. Mais justement, par exemple, je vais donner d'autres exemples. Il y avait des projets qui n'étaient pas du tout financés par le BIM et l'accompagnement qui a résulté par la suite a permis d'obtenir des financements Oui, bien voilà. plus importants que ceux du BIM. Hein. Donc, il faut vraiment insister sur l'accompagnement qui est proposé et je pense que c'est la clé, vraiment la clé là-dessus, quoi. C'est ça. Alors, Louis, hop. Une question. Oui, si on est à cheval sur deux BIM, est-ce que c'est pertinent de candidater aux deux, c'est-à-dire sur protéger ou nourrir ou c'est-à-dire. Je crois que vous avez autorisé le micro, oui. Ah voilà. Hop. Donc yes, c'est sur les deux. Ben, moi je dirais en fait les piliers, les trois piliers. Et même les pôles de recherche, c'est vraiment transdisciplinaire. Donc, enfin, je sais pas si c'est le Louis que je connais, mais oui, voilà. Donc, ouais, c'est bien le projet de Louis que je connais. Tu peux aller directement sur le Pluto, par exemple. Là, la question, c'est plutôt sur la disponibilité. Sachant que si vous candidatez par exemple sur le protéger et que votre projet touche aussi au pilier nourrir et que par exemple le protéger est complet, ben, maintenant elle vous suggérera peut-être de revenir pour celui de nourrir. Ce qui est important de préciser, c'est que le programme, il est certes adapté un tout petit peu sur le pilier, mais globalement, c'est un programme qui est type, qui intervient de manière générale sur le pitch, sur le modèle économique. Et puis voilà, c'est. Alors, si on est doctorant et sur un pilier, bah, tout simplement, je vous conseille de participer au BIM doctorant. Voilà. Quand on a mis BIM transversal, en fait, c'était ça reprenait les trois piliers, mais vous n'êtes pas obligé de toucher aux trois piliers, hein, évidemment. C'est, si vous vous situez dans un des trois, à minima. C'est ça. Et si tu n'es pas disponible pour celui de doctorant, tu peux participer à un des autres, quoi. Voilà. Mais on vous conseille fortement BIM c'est doctorant. On ne voit plus quelqu'un d'autre. Une question. On ne veut pas essayer au plus tôt sur un pilier déjà, puis au doctorant. C'est possible, c'est une possibilité, surtout si au niveau de votre emploi du temps, ça vous arrange. Mais disons que le BIM doctorant permet quand même de cibler sur les problématiques que peuvent rencontrer des doctorants quand ils portent des projets. Voilà. Donc, quand, pour le BIM doctorant, les intervenants seront des personnes. Voilà, les experts sont des personnes qui travaillent déjà avec des doctorants, qui savent un petit peu les problématiques qu'ils peuvent rencontrer. Voilà, ça sera des intervenants plus, plus en lien avec, avec les doctorants. Donc, voilà. Mais si c'est une possibilité, vous pouvez candidater à un autre BIM. C'est bon, merci beaucoup. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions. Je pense qu'on ne va pas tarder. De toute façon, ils ont l'adresse mail. Oui, voilà, c'est ce que j'allais dire. On a, vous avez le contact BIM, donc bim@umontpellier.fr, et puis vous pouvez aussi m'appeler sur le numéro. Alors, dernière, je ne comprends pas la différence entre d'être doctorant ou pas pour le BIM. Bah, alors. En fait, c'est pas tant sur la différence. C'est que sur, on a eu des BIM, peu importe le pilier ou peu importe si c'était général ou pas, où il y avait des doctorants qui avaient participé ou des post-docs. Ce que je veux dire maintenant, c'est que le BIM de doctorant, il sera spécifiquement pour le profil doctorant. Donc, en termes de richesse, on va dire, que ça soit au niveau des interventions ou au niveau du coaching. C'est vraiment ciblé doctorant. Après, effectivement, le BIM, entre guillemets, pas doctorant ou classique, qui est destiné à tout type de porteur,
c'est tout aussi bénéfique. Donc c'est à vous de voir selon la disponibilité, sachant que le BIM de doctorant serait prévu en automne. Peut-être qu'il y en aura qui ne seront plus doctorants à cette période-là, et qui sont en train de finaliser par exemple la troisième année de thèse. Donc c'est vraiment à vous de voir. N'hésitez pas de toute façon à contacter maintenant via l'adresse ou candidater directement, vous inscrire, et puis à voir en fonction du profil et du projet. Bon, monsieur, votre réponse est également valable si mon projet n'a aucun rapport avec ma thèse actuelle. Complètement. Tout à Ok. fait. Bon, bah, s'il n'y a pas d'autres questions, on va terminer. Voilà, comme dit Amine, n'hésitez pas à nous contacter pour d'autres questions. Et puis, si vous avez besoin d'aide pour le formulaire, voilà, d'inscription, contactez-nous. Hein, vraiment, on vous accompagnera là-dessus. Voilà. Je vous remercie d'être venu. Et puis, je vais vous envoyer un lien d'enregistrement. Ce BIM, ce BIM, ce webinaire a été enregistré. Et je vais diffuser le lien d'enregistrement du webinaire. Donc, si vous voulez le diffuser, si vous voulez le regarder à nouveau, voilà. Bon, je vous remercie. Je vous souhaite une bonne soirée à tous. Et puis, à bientôt peut-être. À Merci bientôt, au Amine. revoir. Au revoir.